Armel et moi, en 2020, nous avions présenté deux projets, l'un en Bosnie-Herzégovine, autour du rapprochement des peuples et du développement durable, et l'autre au Nicaragua, autour de l'enfance en situation de handicap. Grâce au projet Boost, nous avons remporté la somme de 1 000 euros. Cette somme a été utilisée pour le projet au Nicaragua, plus précisément pour acheter du matériel permettant de fabriquer du pain et des pâtisseries. L'idée étant de faire participer les familles, les éducateurs et les jeunes en situation de handicap pour qu'ensemble, ils puissent fabriquer du pain, des pâtisseries et les vendre. Les étapes suivantes du projet, c'est d'abord organiser avec l'association En France du Monde dont je fais partie une mission sur place pour vraiment constater ce qui a été fait avec cet argent, puis récolter aussi un petit peu d'argent supplémentaire pour prendre les services d'une kiné qui viendrait plus régulièrement au centre de Los Pipitos, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc au nom d'En France du Monde, Armel et moi, on tient à remercier toutes les personnes qui ont soutenu le projet et évidemment HomeServe pour ce boost qui nous a bien aidé. Merci beaucoup. Vous pourrez trouver toute l'information liée à l'association sur le site enfrancedumonde.org.